Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que, comme vous l'aurez vu dans la vidéo de mardi, que je vous mets dans le petit i si vous l'avez loupé, dans mon haul action, je me suis acheté cette magnifique palette qui est le dupe de la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty pour 10 fois moins cher, on peut se le dire, et qui se présente comme ceci. Alors, franchement, au niveau de l'harmonie, elle est superbe. Et j'ai utilisé 6 couleurs pour faire le make-up que vous voyez actuellement. Et franchement, je le trouve vraiment trop beau. J'ai vu pas mal de revues, les avis étaient assez mitigés. Et moi franchement, je vous la conseille vraiment. Pour le prix en tout cas, la pigmentation est plutôt pas mal. Les fards se travaillent bien entre eux. Si ce make-up vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour le moment, j'ai juste mis mon sérum et ma crème de jour, j'ai fait mes sourcils et bien évidemment, comme d'habitude, vous devez le savoir depuis le temps, j'ai mis mon crayon au niveau de la muqueuse inférieure. Je prends la base de chez Beauty Bay qui est comme ceci et c'est la teinte numéro 2 je crois. Ah non, il y a marqué base 3. Je pensais l'avoir pris en base en couleur 0, la blanche, et au final apparemment non. Je prends le BB205 qui est un petit pinceau comme ceci pour estomper ma base à paupières. Je prends le BB204 qui est un petit pinceau comme ceci pour venir matifier la base avec la poudre transparente de chez Belle. On va venir se rapprocher. Je prends la couleur No Gravity, qui est ce rose-là, que je vais mettre en creux de paupière. Maintenant, je prends la teinte Universe, qui est cette couleur-ci, que je vais aussi rajouter au creux de paupière pour intensifier le rose que je viens de mettre. J'ai bien envie, toujours avec le 231 de chez Zoeva, de prendre la couleur météorite qui est ce rouge-ci, toujours en creux de paupière. Maintenant, avec le doigt, j'ai envie de prendre la couleur Space, bleu magnifique, sur ma paupière mobile. Maintenant, je prends le BB208. Qui est le petit pinceau plat comme ceci pour venir faire mon ratil inférieur, que je vais humidifier avec le Urban Decay All Nighter. Et je viens prendre la couleur UFO, qui est ce violet-ci. Je vais prendre avec le doigt la couleur Light Years que je vais mettre en coin interne. Non, je prends le BB209 qui est un petit pinceau comme ceci et je prends un halo qui est juste là que je mets en coin interne. Maintenant, je prends le The Ordinary, comme d'habitude, avec une éponge en teinte 1.2N.
Maintenant, je reprends la poudre matifiante transparente de chez Belle. Au niveau du bronzer, je prends celui de chez Beauty Bay en couleur fauve. Et je vais essayer le blush de chez Tarte en couleur Exposed. Et c'est le Amazonian Clay 12h Blush, fard à joues 12h en argile amazonienne, qui se présente comme ceci. J'ai pas spécialement envie de mettre d'highlighter aujourd'hui. Je vais donc prendre mon recourbe cils. Et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le Bad Gal Bang de chez Benefit. Et pour continuer dans la couleur, j'ai envie d'utiliser le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty que j'ai reçu en miniature, qui est comme ceci, un rouge cerise bien foncé. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis vraiment éclatée avec la Sparkle de chez Fab Factory. Franchement, au niveau des couleurs, que ce soit l'harmonie, franchement, elle est juste magnifique. On dirait vraiment la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty, y a pas à dire. Au niveau de la pigmentation, je suis agréablement surprise parce que j'ai pas eu besoin de beaucoup les travailler pour avoir une pigmentation quand même assez importante. Les fards se mélangent bien entre eux, je trouve. Et franchement, elle est vraiment top. Pour 4,95€, j'ai envie de vous dire, elle est vraiment trop bien. Perso, je vous la conseille à 10 000%, parce que franchement, elle est vraiment bien. Au niveau du rouge à lèvres Fenty, c'est la première fois que j'utilise cette couleur. Alors sur moi, je suis vraiment pas fan des couleurs foncées comme ça. Mais j'avais envie de mettre quelque chose de coloré, je me suis dit que ça pouvait être sympa avec les yeux bien peps que je me suis fait aujourd'hui. Le blush Tarte, il est plutôt pas mal, moi je l'aime bien, je le trouve assez subtil mais il est quand même assez joli. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez essayé cette palette, si vous la trouvez dans votre action ou pas, parce que moi c'est la première fois que je la trouve, en tout cas c'est pas la première fois que j'en entends parler, mais c'est la première fois que je la trouve, donc je me suis vite roulée dessus en fait. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.